First, on the on Brexit and the announcement made by Theresa May, we welcome May's announcement that clarifies the position of the United Kingdom. But for us, it is clear that there can be no pre-negotiations. Negotiations can only start after the trigger of Article 50. That said, I hope that the negotiations can be concluded before the European elections. I think this is important for everybody. It's important for everybody because it would be very strange that the United Kingdom would have to organize European elections in 2019. And also for us, it's important that we can have a new start in the new legislative cycle that starts in 2019. My third point is that I strongly believe that the future relationship between the European Union and the United Kingdom must remain close, and that in the interests of the citizens of the European Union, but also in the interest of the citizens of the UK, especially the 48% that wanted to remain in the Union. But whatever the new relationship will be, it cannot, in our opinion, infringe on the four fundamental freedoms that underpin our union. Here in the House, I will work closely together with the Conference of Presidents and the different committees. And in a first phase, committees will examine the legislation in their respective fields. And then we're going to use in a second phase this expertise, and this expertise will also be translated in a resolution that Parliament will adopt after the triggering of Article 50 and before the definition of the mandate by the Council. And in this resolution, Parliament will express its negotiation lines, and that will be after March, April, before the European Council that decide on the mandate. So that is my first point. So, and you have heard it, it was underpinned by a band outside the outside the meeting room here. The second point on the Greek adjustment program. Tomorrow we have a debate. Commission will tell us that everything is on track on Greece, that everything goes well. That will be, it's my feeling, the message of the Commission. But I can tell you, in our opinion, it's the opposite that is happening. Nothing has changed since we organized our conference under the title The Truth About Greece in May of this year, so exactly 5 months ago. And what I have done, I have made a copy of that document that we have presented in May of this year, because in our opinion, that's still the case, what you find there as conclusions, and that means that there is a shockingly low rate of implementation of the reforms of only 15%. Officially, more or less half of the reforms are implemented. In reality, and that is the topic of this document, we conclude that only 15% of the reforms and of the laws are implemented. And so what we see, and that is my fear for tomorrow, with the message of the Commission, that the Greek government on the one hand and European institutions on the other hand continue to bury their heads in the sand with, in fact, not a real solution.
You're going to see that also in the new budget of proposal of 2017. New budget proposal of 2017 in Greece is again increase of taxation, mainly VAT. Instead of doing the right reforms, and that is tackling corruption, reforming the clientelistic system, opening closed markets and professions, downsizing and reforming the public financial sector, and so on and so on. And that is not still not done in Greece. So I want to use this platform to tell you that our group will be very critical tomorrow in its interventions towards this this Greek adjustment program. The third item is about the problems with Deutsche Bank. For us, the Deutsche Bank problems around the Deutsche Bank are symptom of the fact that the financial crisis is still not over in Europe. And the reason why I'm saying this is that the lessons of the banking crisis we got in the past in Sweden, the banking crisis in Japan in the 90s, and the banking crisis in the US, all these crises have illustrated that it is absolutely necessary to clean the banks in the beginning of a financial crisis and to recapitalize them, and only then the investments can return. And that is exactly what the Swedish did in the 90s, what the United States did immediately after the financial crisis, and what Japan didn't do for more than a decade. That is to clean up the banks and to recapitalize them. In America, that is TARP was a program of $400 billion. And all this money have, in the meanwhile, been paid back to the taxpayers. So it proves that we have waited far too long to decide on a banking union, to decide on the cleaning of the banks, to decide on a recapitalization. It's still not done. And it's Deutsche Bank today in Germany. It was yesterday Monte dei Paschi di Siena in Italy. It were problems a few weeks ago, a few months ago in Portugal. We got in the past already problems in Spain and so on. So it is an illustration of the fact that a comprehensive global approach is absolutely needed, completing the banking union and recapitalizing the cleaning and recapitalizing the banks in Europe. How long we're going to wait, I don't know, but we continue to wait. Then the last item that I want to raise with you is the war in Syria. We have tomorrow a debate on this in plenary. We welcome, naturally, the 25 million emergency humanitarian package for Aleppo that Mrs. Mogherini has put together. But we all know that this will not change a lot on the ground, because if the Assad government continue to bomb, this aid cannot be delivered. It's clear that today the stalemate is complete. After the decision by the American administration to not longer cooperate with their Russian counterparts. And my conclusion tomorrow will in any way be that there is a that the strategy of President Obama towards Syria has failed completely. And the reason why it failed completely is because if you put red lines in a conflict like in Syria, you have to follow these red lines, to respect these red lines. And that was not the case after the use of the chemical weapons by the Assad regime, the non-interference of the international community. Gives, in fact, green light to the Russians and to the Assad regime to do whatever they want. So we're going to try tomorrow in the debate to develop a three-track proposal,
how we could come back to the implementation of resolution 2254 with the basic resolution 2254 to end the conflict, the ceasefire, the end of the bombing on civilians, and the fight against Daesh and al-Nusra. That are the three key elements. And how can we come back, how the international community, European Union and the US can regain the initiative to impose resolution 2254. That will be the key content of my intervention tomorrow on CDUN in the plenary. That said, it's half a miracle, but we secure that there is one global resolution on Syria that we initiated and that has the backing now from mainly all groups, PP, SND, ECR, even Greens, I think, yeah, more or less. Jurek has the first question. Jurek Kulchevich de Soir, bonjour. Deux questions, si vous le voulez bien, rapidement. La première sur le Brexit. Tout le monde dit, et c'est compréhensible, que tant que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni n'a pas activé, et surtout n'a pas spécifié, n'a pas fixé sa stratégie et son objectif, ce qui ne semble toujours pas être le cas, en dehors même de toute question formelle d'activation article 50, c'est difficile de dire quoi que ce soit sur le fond. Mais malgré tout, et puisque vous avez un rôle en tant que Parlement qui sera important, mais pas en première ligne de la négociation, sauf si vous me dites le contraire, est-ce que vous n'imaginez pas que, par exemple, vous ou d'autres puissiez avancer est-ce que vous avez tout simplement une vision, une proposition, des idées concrètes sur quel pourrait être le type de relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Et deuxième question rapidement sur une question que vous n'avez pas évoquée, les questions d'éthique d'anciens commissaires présidents de commission, puisqu'il y a eu d'autres cas depuis la précédente session, les précédentes fois on a pu en parler avec vous. Est-ce qu'on parle de renforcer les règles d'éthique, le code de bonne conduite? Est-ce que vous êtes d'avis que ça doit être fait? Et on a entendu dans cette salle, dans les briefings précédents, un appel à ce que les députés européens ne cumulent pas leurs fonctions avec notamment des postes auprès d'entreprises, dans des conseils d'administration. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je pense que sur la dernière question, c'est surtout une question de commissaire. Hein, donc il ne faut pas mélanger le pouvoir législatif avec l'exécutif, et donc moi j'attends la proposition de la Commission sur cette question, parce que la Commission a en tout cas annoncé qu'elle allait examiner les règles existantes et voir s'il n'y a pas un renforcement qui est nécessaire. Et donc on va voir la proposition de la Commission, mais on soutient la Commission dans un renforcement des règles pour le commissaire en question. Alors, sur la première question, non, c'est la Grande-Bretagne, c'est la Royaume-Uni qui doit en fait proposer d'abord la sortie, deuxièmement une proposition de la relation nouvelle entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et donc ce n'est à ce moment-là que les négociations peuvent commencer. J'ai déjà indiqué plusieurs fois que ce n'est pas à nous de commencer à dire au Royaume-Uni « voilà le type de relation que vous devez avoir dorénavant avec l'Union européenne ». C'est leur décision. Nous allons nous préparer naturellement pour cette négociation. C'est pour cette raison que je vous ai annoncé que, après l'application de l'article 50 et avant la définition du mandat par le Conseil européen, le Parlement européen va définir dans une résolution hautement politique naturellement, nos lignes de négociation. Second question for ITV. Hello, Gail Kvonharik for ITN. On Brexit again, Prime Minister Theresa May at the party conference indicating that control of migration is the key issue.
from the Conservatives' point of view. Can the UK get access, tariff-free access to the single market and at the same time limit freedom of movement? I can only repeat what I have already said in my introduction. That is for for everybody in the European Parliament, four so-called fundamental freedoms that underpin the Union are key. And you cannot start to make a distinction between them and to split them. There is a free movement of goods, there is a free movement of services, there is a free movement of capital, and there is the free movement of people and labor. And that makes one package. That are the four fundamental freedoms that underpin the Union. If you start to make a split between them, you destroy, in fact, the Union and its internal market. The gentleman over there, first one. J'ai deux questions. Dans votre document, The Truth About Greece, il y a trois signatures, dont l'une, c'est le parti politique, le POTAMI. Alors, ma première question est, ce parti fait partie de votre groupe? Et si oui, depuis quand? Et ma deuxième question, c'est si l'on considère que vos conclusions sur la situation en Grèce, disons, correspondent à la réalité, quels sont vos moyens d'action que vous comptez mobiliser? Mais tout d'abord, sur la première question, Topotami ne fait pas partie de notre groupe, mais on travaille ensemble avec Topotami. Donc, il n'y a pas interdit de travailler ensemble avec des partis politiques dans des pays qui ont la même vision que nous. Et cette étude a été faite pas seulement par notre groupe et, avec Topotami, mais avec la participation de l'Institut pour la recherche politique et de régulation en Grèce, donc qui est une think tank, je dirais, c'est pas du bon français, mais enfin soit, en Grèce. Voilà donc ce qui est de la coopération avec ces deux instances. Deuxièmement, ce que nous voulons faire, c'est naturellement faire monter la pression sur les institutions européennes et naturellement aussi sur le gouvernement grec, mais essentiellement sur les institutions européennes, de changer de politique envers la Grèce. Ça ne fonctionne pas. Il ne va pas y avoir de la croissance économique en 2016 en Grèce. C'est ça la réalité. Je pense que le budget 2017 de la Grèce est fait sur base d'une prévision de croissance économique de 2,7%. Moi, je ne sais pas, hein, mais je pense que c'est oui, ce n'est pas très sérieux de faire un budget sur base d'une prévision de presque 3% de croissance économique en Grèce. J'espère que c'est vrai, hein, donc il ne faut pas m'interpréter d'une mauvaise manière. J'espère que c'est vrai les 3%, mais je ne pense pas que ce sera la réalité. Et donc, il faut que les institutions européennes arrêtent, donc, et pas seulement les institutions européennes, hein, ce n'est pas seulement la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, l'Eurogroupe, c'est aussi la FMI, arrêtent à penser qu'avec la stratégie qu'on est en train de suivre pour le moment, on va résoudre le problème. Le problème ne sera que résolu s'il y a un changement de politique à l'intérieur de la Grèce, qui est soutenue par une pression par les institutions européennes. Les institutions européennes doivent arrêter de penser que c'est un exercice comptable. Comptable, ça veut dire si l'argent vient d'une augmentation de la taxation, si l'argent vient d'une modération salariale, c'est égal. Si le solde primaire est là, c'est bon. Si le pourcentage de dette est là, c'est OK. Non, ce n'est pas le cas. La réalité, le problème en Grèce, ce n'est pas une opération comptable qu'il faut faire. C'est vraiment faire une réforme en profondeur des institutions, du système politique,
de l'économie, le combat, la lutte contre la corruption, etc. Voilà, et c'est ça que les instances européennes doivent faire, et arrêter de limiter l'approche du problème grec à un exercice comptable, voilà. Et donc, exercice comptable, c'est toujours la même chose. C'est de dire, voilà, vous faites en tout cas, en théorie, quelques augmentations d'impôts, quelques diminutions salariales, et le compte est bon. Bah, et le compte n'est jamais bon. Voilà. Merci.